Notre second opus, Portrait d'éditeur, nous a conduit au siège des éditions Hachette chez Pika, second éditeur de manga en France, où nous avons pu rencontrer Mehdi Benrabah. Mehdi a grandi avec la culture japonaise, les mangas, les animés ont bercé son enfance. Il a vite trouvé sa voie et a décidé de faire un métier en lien avec le Japon. Après Casterman et Kazemanga, il est aujourd'hui le responsable éditorial de Pika Édition. Mehdi revient pour nous sur la fourmilière qu'est Pika, de son origine et de son mode de fonctionnement. Ça a commencé finalement avec le magazine de jeux vidéo Player One, qui a été fondé par Alain Kahn. Parce que en fait, de ce magazine de jeux vidéo assez avant-gardiste, donc là je crois qu'on est en 90, si je ne dis pas de bêtises, de ce magazine a découlé en fait le label Manga Player, c'est l'ancêtre de Pika en fait, donc là on est en 95 il me semble, et Manga Player bah, ça a été un magazine de prépublication de plein de titres assez fondateurs pour Pika, enfin il y avait Dragonette, 3x3 Eyes, Oh My God Death, Et donc Manga Player a fini par péricliter et laisser place au label Pika, créé en 2000. Et voilà, donc c'est de là que tout est parti. Et puis après, il y a eu des licences phares comme GTO. Et le mode de fonctionnement, en fait, moi, sur ma partie éditoriale, donc j'ai une équipe d'éditeurs qui font le suivi quotidien avec toute la chaîne des intervenants qui travaillent sur le manga. Moi j'interviens en amont avec le choix de la licence en fait. C'est un travail de prospection de tous les jours. Et donc moi je m'attelle à planifier les titres et mon équipe, elle, fait en sorte de les sortir dans les meilleures conditions possibles. Voilà, donc après évidemment il y a d'autres services comme le service marketing avec lequel donc, on travaille de concert pour que les. Alors, là aussi en amont, ça peut arriver à la fin de l'obtention d'une licence, quand il faut élaborer un plan marketing pour séduire les éditeurs japonais et du coup obtenir la licence. Mais aussi, une fois que la licence est acquise, quand il faut mettre en œuvre ce plan marketing, voilà, c'est un ping-pong presque quotidien pour s'entraider, faire en sorte que là aussi la licence sorte dans les meilleures conditions possibles. Et je ne peux pas ne pas parler du service de fabrication. Où là aussi, on est très proches, eux et moi, pour vraiment satisfaire les exigences des Japonais. Parce que Dieu sait qu'ils sont exigeants. Il ne faut pas que l'auteur soit déçu. C'est très important en fait d'avoir un rendu, d'avoir un ouvrage vraiment très très fidèle à l'ouvrage japonais. Ce travail de longue haleine des équipes de Pika paye et leur vaut la fidélité de plusieurs éditeurs et auteurs tels que Clamp, Hiromashima, Toru Fujisawa ou Ken Akamatsu, ce qui leur permet de disposer d'un fonds de catalogue solide. Longtemps indépendant, Pika a été racheté en 2007 par le groupe Hachette. Fondamentalement, cela n'a pas modifié le fonctionnement de l'éditeur qui garde les clés de sa ligne éditoriale. Cette ligne a évolué avec le temps, puisque les lecteurs de manga de la première heure ont de nouveaux désirs. Pika a souhaité leur offrir un nouveau contenu avec des ouvrages plus qualitatifs, avec les grands formats de Pika graphique. Cela permet aussi de faire un pont entre les lecteurs de BD franco-belge et le manga. Pika défend de nombreux titres et Fairy Tail, qui se termine bientôt en France, n'entame en rien l'équilibre du catalogue, bien que les éditeurs de manga français se livrent parfois une guerre féroce. Je pense que c'est le marché le plus agressif qui soit. C'est-à-dire que au niveau des Japonais, par rapport aux clients qu'ils peuvent avoir du coup partout dans le monde, les autres éditeurs partout dans le monde qui veulent acquérir leur licence. Je pense sans mal que le marché français est le plus vivace. J'entends par là que maintenant, à peine une série est annoncée, il n'y a même pas de chapitre de paru au Japon, que déjà en fait il y a des intérêts qui se manifestent, voire même des offres qui sont faites pour acquérir des licences, alors que les éditeurs n'ont rien vu du contenu. C'est vraiment un marché, je dirais, que je qualifierais de très agressif, parce que voilà, on est tous des passionnés, et finalement,
les gros hits au Japon ne sont pas non plus monnaie courante. Donc voilà, on est toujours très très réactif quand y a un hit qui a l'air de se profiler à l'horizon. Je pense qu'il y a un profond respect pour le marché français, c'est-à-dire qu'ils sont toujours surpris de voir à quel point nos lecteurs sont des passionnés. Et mais puis même les éditeurs en fait, nous en tant que partenaires, ils sont toujours assez admiratifs de voir comment on est très très au taquet sur les informations qui circulent, l'engouement des fans en fait, à un moment où un auteur vient, enfin on a pu l'expérimenter encore une fois, quand Hiro Mashima est venu à deux reprises à Japan Expo, voilà, ils étaient vraiment aux anges de voir à quel point les lecteurs de ce marché étaient investis, on va dire. Et puis bah, du point de vue, je dirais, lectorat, on a un lectorat voilà, qui est très très réactif, qui du coup connaît nos licences avant qu'elles ne soient annoncées. Il se renseigne énormément grâce à Internet sur ce qui se fait au Japon. On a beaucoup de paramètres à évaluer en fait, avant de faire un choix de licence. Et souvent, voilà, ils ne comprennent pas pourquoi on n'édite pas tel ou tel titre, mais bon voilà, on n'a pas les mêmes réalités. Donc, mais ouais, ils nous font des suggestions. C'est ça qui est génial avec le manga. Enfin, moi, ce que je trouve passionnant, c'est que il y a un manga vraiment pour tout le monde. C'est-à-dire que la profusion de choix qui existe au Japon, tous les thèmes qui sont traités à travers le manga, c'est juste stratosphérique. Et donc, c'est là que nous, le travail d'éditeur, ben, il intervient pour qu'on opère un filtre et qu'on prennent que vraiment ce qu'il y a de plus qualitatif, parce que tout n'est pas qualitatif là-bas, et qu'on opère aussi un filtre au niveau de mangas qui vont marcher en France, enfin qui ont un potentiel en France, et pas forcément au Japon. Il y a vraiment des mangas faits par des Japonais, pour des Japonais, quoi. Pour pouvoir dépasser les frontières et arriver chez nous, c'est quand même plus compliqué. Mais du coup, moi, ce que j'aime à penser, c'est que bah, même si les personnes ne sont pas accoutumées du fait, enfin ne sont pas lecteurs de mangas, qu'importe, ils devraient se lancer sur certaines thématiques qui pourraient leur plaire. Et c'est ça que je trouve passionnant en fait. Et de plus en plus, voilà, Pika étend son éventail, notamment dans sa collection Seinen. Et de plus en plus, voilà, m'a proposé ce qu'il y a de meilleur. Bah, quand on pense Pika, c'est vrai qu'on pense Fairy Tail, mais pas que. C'est ça qui est chouette, c'est qu'on pense aussi GTO, on pense aussi l'attaque des Titans. On pense aussi Seven Deadly Sins, on pense aussi Noragami, on pense Sailor Moon, Sakura. Donc c'est vraiment ça qui est chouette chez cet éditeur et tout ce qui a été bâti depuis sa création, c'est que finalement il y a autant de licences de fond qui continuent de bien marcher que de licences plus récentes qui elles aussi marchent bien. Donc ça fait un bon équilibre, il y a un fond de catalogue pour prendre des risques et, ou continuer d'asseoir en fait les licences performantes qui sont en cours. Et effectivement, bon, la fin de Fairy Tail, voilà, mais c'est un événement qu'on accueille vraiment sans stress, dans le sens où il y a encore beaucoup de choses à faire sur cette série. C'est-à-dire qu'on va continuer de l'accompagner, il y a encore beaucoup de surprises qui vont arriver autour de cette licence et on va comment dire, faire en sorte d'en faire un vrai classique, je dirais, transgénérationnel et voilà. L'engouement ne va pas s'éteindre comme ça du jour au lendemain pour cette série, sous prétexte qu'elle a son dernier tome à l'horizon. Et puis finalement, c'est un cercle vertueux qu'on quitte pour un autre. Voilà, c'est très cyclique finalement le marché du manga et on n'a aucun doute de revenir en force plus tard. Son fonds de catalogue solide permet aussi à Pika de prendre des risques. Toujours en quête de renouvellement, Pika est pionnier en matière de French Touch et de positionnement digital. Eh ben, alors au niveau de ce que beaucoup aiment appeler la French Touch du manga, Pika, là, et c'est aussi ce qui est vraiment appréciable chez ses éditeurs, c'est qu'il s'est posé en tant que pionnier vraiment sur ce segment de mangaka français. Vraiment, Dreamland, qui a fêté ses 10 ans, en est le meilleur exemple. On est très très fiers d'avoir une telle longévité sur ce titre dans la collection Shonen. Donc à ce niveau-là, on continue le travail autour de Dreamland et des fans de son auteur Renaud. Ensuite, on est aussi très fiers d'être là sur une place qui est à prendre dans le manga français, qui est une place en shoujo finalement.
Les offres qu'on peut voir là sur le marché sont pas du tout tournées vers ce segment-là. Et du coup, avec Alchimia, qu'on a également sorti, qui est en cours, voilà, on fait aussi quelque part office de pionnier et on veut vraiment délaisser aucun segment. Le vivier est de plus en plus large, les projets sont de plus en plus, je dirais, professionnels. Et moi, je pense que c'est une tendance qui va aller en s'accentuant dans les années à venir. Donc, voilà, on reste toujours très très friand de ce genre de projet. Et pour finir, Mehdi partage avec nous l'un de ses meilleurs souvenirs et sa vision de Pika dans 10 ans. C'est ce moment incroyable qu'a été le Draw Battle en fait à Japan Expo, donc l'année dernière, en 2016, entre Renault et Hiromashima. Donc là, ça avait vraiment été un moment unique qui ne s'était jamais fait auparavant. Et enfin, il y avait une telle complicité entre ces deux auteurs qui s'étaient rencontrés genre 10 minutes avant que le battle commence. Il y avait une telle complicité que enfin, ça a été vraiment un moment de partage unique et le public a suivi, mais vraiment au taquet. Et moi, pour avoir vécu tout ça juste à côté de la scène, c'était vraiment un moment ouais, assez ouais, très marquant, quoi. Ça va être important pour nous de suivre l'évolution technologique des foyers de lecteurs en France et puis d'essayer de proposer des expériences de lecture différenciantes et toujours plus divertissantes, je dirais, à nos lecteurs. Mais tout en continuant à faire de beaux livres, c'est pas le digital qui va mettre pour moi les supports papier à la porte. Je pense qu'en France, on aime les objets, on aime le livre, là, ce sera toujours important de faire des beaux bouquins. Parce que ces deux supports-là, digitaux et papier, ne sont pas indissociables en fait. Je pense qu'ils vont continuer de coexister même dans 10 ans en France. Et puis à côté de ça, moi je pense que voilà, le vivier de talents, de mangaka français, il ne va pas s'arrêter là. Je pense que voilà, plus tard, j'aimerais qu'on ait plus de production made in France pour. Parce que voilà, c'est une belle histoire, hein, finalement, toute cette génération qui a été. Influencés par le Japon, bah maintenant, ils peuvent prouver de plus en plus qu'ils n'ont rien à envier aux auteurs japonais. Et j'espère que du coup, Pika sera toujours avant-gardiste là-dessus. À très bientôt sur Free2Geek pour un nouveau portrait d'éditeur.